Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes aventures sur Nostalgie. Après la fauche, après l'ensilage, et bien écoutez, je suis en train de faner mon herbe. Alors j'ai trouvé un mode plutôt sympa, regardez, je vous le montre d'un petit peu plus près. En fait, il fane et il endaine en même temps. Voilà, alors après ça endaine pas très très large, ça fane pas très très large. Mais voilà, il a le mérite d'être autant dans le magasin chez les faneurs que chez les endaineurs. Voilà, on repassera un petit coup tout simplement d'endaineur derrière. J'ai pris un petit ch'tol avec deux soleils déportés. Un endaineur que j'apprécie fortement. Mais regardez, en fait, ça fane et ça endaine en même temps. Donc c'est plutôt sympathique, c'est plutôt pas mal. Ça le fait plutôt bien et ça va bien avec la série. Voilà, non, ce que je vais faire, c'est désactiver. Voilà, c'était pas le, parce que le lever, ça met une plombe à se lever. On va tout simplement terminer de faner ce champ là. L'autre, je vous l'avais expliqué, on le fera en herbe tout bêtement. Hop, et on repart ici. Et c'est reparti. On y va. Donc ça fane pas très très large. Vous pouvez le constater, la largeur du tracteur, environ 2 mètres, 2,50 m peut-être en gros. Mais bon, c'est le principe. On est là pour se marrer. On a dit qu'on travaillait avec du vieux et du petit matériel si possible. On est bien. On va désactiver. Par contre, ça va nous faire faire à chaque fois des. Ouais, on va peut-être se taper les tours. Bon, même si on en oublie un petit peu. C'est pas très grave en soi, puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit, on va endainer, réendainer derrière pour faire des endains un petit peu plus gros et qu'il y ait moins de passage tout bêtement pour faire ensuite nos bottes de foin. Voilà, j'espère que vous allez bien, série qui vous plaît toujours autant. Ça fait plaisir, c'est sympathique. Vous avez en parallèle le démarrage de la carrière multi avec l'ami Patou, que je salue, mon Patou, bien évidemment. Salutations à toi, salutations à tous les connos qui nous suivent et qui me suivent sur la chaîne du Savoyard. Toujours un peu plus chaque jour et ça fait vraiment plaisir, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas et c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant le matin quand je regarde ou le soir ou enfin peu importe, de toute façon je suis au moins une fois sur la chaîne chaque jour, on est bien d'accord. Alors, pareil, je vais en parler après. Il y a toujours de plus en plus de connos qui sont là à nous regarder. Vous avez peut-être pu le constater, systématiquement avant je mettais le petit message entre guillemets, alors je lisais vos commentaires et puis je laissais votre petit merci à toi, à plus plus, voilà. Ça me prend énormément de temps, j'ai un petit peu moins de temps en tout cas en ce moment. Donc ce que j'ai fait, c'est que les messages qui appellent ou les commentaires qui appelaient à une réponse, j'apporte une réponse. Et puis par contre, pour vous signaler que j'ai bien vu votre commentaire, je mets tout simplement un petit j'adore sur votre commentaire. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je réponds à tous les commentaires. Et c'est vrai que là, voilà, manque de temps, malheureusement j'aurai pas le temps de répondre à tous vos commentaires. Sachant qu'en plus après une semaine de vacances, etc., il y en a un volume pas possible à répondre, ça fait plaisir. Donc rassurez-vous, vos commentaires seront bien vus, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. C'est pas que je les regarde plus, c'est tout simplement que j'ai pas le temps d'apporter la réponse. Alors même si on fait un copier-coller, faut être clair, ça prend quand même beaucoup de temps, multiplié par des centaines de commentaires en retard. Là, absolument pas le temps en ce moment. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas que j'ai plus envie, c'est pas que... Et c'est vrai que je suis encore un des seuls, voire un des rares à apporter un commentaire systématiquement, qui apportait un commentaire systématiquement au vôtre. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais en tout cas voilà, c'est pas un souhait de ma part, c'est tout simplement un que techniquement en ce moment c'est un petit peu compliqué. Voilà, bref, message passé, rassurez-vous, il n'y a pas de souci, je suis toujours dans la place, toujours avec ce petit John Deere 7410. Il est magnifique ce tracteur, je l'adore vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment une tuerie. Alors pour ce genre de carrière là, pour ce genre d'activité là, ça va tout seul. On pourrait même prendre beaucoup plus petit, hein, mais bon voilà, j'avais envie de me rouler en John Deere. Ça fait un petit moment que je roulais avec autre chose. J'étais en Casiache, j'étais avec qu'est-ce que j'avais dernièrement, j'avais le Massey. Alors faut quand même arrêter de déconner à un moment donné, il faut remonter dans du John Deere pour se soigner. Voilà, petite dédicace, parce que cette vidéo là est tournée le lendemain à ce qu'il m'a envoyé, à l'ami, à mon cono, le Teigneux, un cono belge qui m'a fait une super vidéo, un super cadeau. Il est en vadrouille, en road trip moto actuellement en France, on va dire ça comme ça, et il se trouvait récemment en Aveyron. Il a été voir un agriculteur, il lui a fait sortir tout son matos, il a posé des questions, etc. Alors le Teigneux, il n'est pas du tout spécialiste comme moi, alors, mais il est encore moins que moi dans l'agriculture. Alors il pose des questions, mais qu'est-ce que c'est ce tracteur-là, qu'est-ce que c'est ça, etc. C'était magnifique, en tout cas voilà, je voulais encore te remercier, je l'ai fait sur la page Facebook, puisque j'ai partagé en fait la vidéo qu'il m'a envoyée sur ma page Facebook. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas, vous allez sur la page Facebook et vous verrez ça. Et puis voilà, je voulais quand même te remercier en direct live, l'ami Teigneux. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir et c'était vraiment extraordinairement drôle ton intervention avec... Par contre l'agriculteur, alors j'ai rien contre lui,
Il était magnifique, il était super sympathique, en tout cas déjà en plus de t'avoir accueilli chez lui. Mais il connaît rien, il aime pas John Deere, donc il a un problème le mec. Il a un problème. Allez, on est bon, on a terminé le fanage. Fanage en dénage, hein, parce que regardez, hein, ça fait en déné. Hein. C'est pas comme si on fait avec la faneuse habituelle où il faut vraiment passer derrière. On va tout simplement réduire le nombre d'andins. On va passer un coup d'endaineur un peu plus gros. Normalement, il est juste là-bas. Regardez à droite. Et ça y est, j'ai acheté un Fendt de merde. Voilà. Alors, j'ai pris un favorite, je crois, me semble-t-il, si je dis pas de conneries. 315 ou je sais pas. On va regarder. Ou 615 LSA, j'en sais rien. Vu que c'est des références que moi, je connais pas du tout. Je pratique pas ces tracteurs-là. Ces tracteurs. Un 310 LSA turbomatique. Les mecs, ils friment déjà pas. Turbomatique, voilà, avec un petit endaineur de soleil déporté Stoll que j'aime beaucoup, voilà, qui fait plus ou moins ancien. Alors, ça prend pas le plus ancien possible, mais c'est vrai que ça fait plus ou moins ancien, donc c'est plutôt pas mal. On est dans le thème. On va se placer ici, on va déplier l'engin. Alors voilà, hop, il y a une petite animation plutôt sympathique. Il va me mettre toutes les dents, et puis bah écoutez, bah, j'ai envie de dire, on va commencer à endainer de là. On va voir ce que ça va donner, dans quel côté, il faudrait peut-être le baisser, ouais. Allez, petit fail, là, c'est comme une, comment ça s'appelle, une herse rotative. L'avantage d'une herse rotative, c'est bien, c'est aussi de la baisser. Voilà, enfin, c'est aussi de l'activer. Il arrive même pas. Alors par contre, elle n'est pas censée se déporter, non, il n'y avait pas une histoire de déport, là. Activer, agrandir, détacher, désactiver, lever, plier, changer la work position, voilà, hop, regardez ça. On va le déporter, il me semblait qu'il y avait une possibilité, comme ça on prend quand même nettement plus large. Et on va se faire tranquillement nos andins sur la map Nostalgie, je vous rappelle, by Falcon Vili. N'hésitez pas encore, malgré que vous n'ayez pas la possibilité d'avoir cette map, puisqu'elle est privée. Enfin, en tout cas, elle n'est pas privée, mais en tout cas, elle n'est pas partagée au grand public. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour le féliciter du travail effectué. Ça fait quand même toujours plaisir. Voilà, et puis, qui sait, un jour, peut-être repartagera-t-il quelque chose. En tout cas, peut-être pas ce projet-là, mais s'il en faisait d'autres. Peut-être ça lui donnera l'envie de voir une communauté qui évolue, qui grandit, qui devient un petit peu plus intelligente. Voilà. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à lui laisser un commentaire à sa destination. Voilà, message passé. Bah écoutez, ça bosse plutôt pas mal, ces tracteurs de merde, j'ai envie de dire. Hein. Au niveau de l'intérieur, on peut même se mettre à vue intérieure. On va juste recaler la vue. Voilà. Ça fait quand même assez ancien. Hein. On peut essayer d'aller. On va essayer d'endainer en vue inter comme ça. Qu'est-ce que ça dit si on tourne la tête? On est bien. Traquière, bien évidemment. Je vous invite aussi à investir dans ce genre de matériel-là parce que c'est vraiment très très pratique. Que ce soit sur du farming, que ce soit sur des jeux de sim racing, que ce soit sur du ETS2, ATS. C'est vraiment. Alors là, je crois que le mieux, c'est vraiment ETS2, ATS. Voilà, c'est vraiment. Au jour d'aujourd'hui, sans ce périphérique-là, je serais vraiment sur ETS2, ATS. Ça serait pas terrible, honnêtement, hein. En vue intérieure, quand vous pouvez tourner la tête et que ça vous décale la caméra tout seul sans avoir à se faire chier à appuyer sur un bouton ou jouer avec la souris, c'est vraiment, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui coûte, pour ma part, celui que j'ai pris, puisqu'un vrai tracker avec le détecteur, ça coûte plus de 200 boules. Moi, tout compris avec un PS3 Eyes, le truc monté par un Gugus par là dans un coin, ça coûte 49 €, tout compris, et ça arrive directement à la maison. Alors, on va essayer de se refoutre en vue extérieure pour... faire le coin là parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. On va voir comment on va pouvoir s'y prendre. Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Hop, impeccable. Alors ça c'est bien, on va le lever, on va même le désactiver. Ça sera plutôt pas mal. On va essayer de faire demi-tour sans trop tout défoncer. Ça a l'air plus ou moins possible. On va faire ça en 2-3 manœuvres, hein. Bien sûr, vous connaissez l'artiste. On va pas changer une équipe qui gagne. C'est bon, je suis pas en train de tout péter. Non, ça a l'air d'être bon. On va le réactiver tranquillouze. Et on va se faire un deuxième andin, tranquille, normalement on devrait passer entre les deux, voilà, et on va essayer quand même de rétrécir celui-ci, parce que sinon au niveau de la presse ça va commencer à être compliqué, voilà, on est bien, tranquillouze, on va, qu'est-ce qu'on fait, on va tout droit, on va pas tout droit, non, on va commencer, enfin on va continuer à faire le tour comme ça, tranquillement, ça va être pas mal, normalement, et on va commencer à voir, bah on va pas avoir 50 andins, c'est ça l'avantage, parce que ça endaine quand même relativement large. Là, on va tirer tout droit, tranquille. On va essayer d'organiser ça comme des vrais, comme des professionnels, même si je n'en suis pas un, on est bien d'accord. Hein. Voilà, allez hop, on va faire comme ça. Allez, là, on est bien, on va désactiver, on va se replacer, on va retourner là-bas. Attention, les sapins, les mélèzes. Parce qu'on est presque sur la map Savoie de Arsenic Modding, ici. Voilà, allez, on active, on y retourne.
On prend les mêmes et on recommence. On regarde la montre, on est plutôt pas mal au niveau du timing. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, cette vidéo-là, en tout cas cette semaine-ci, ces vidéos-là sont tournées le matin. Puisque je profite de la présence et de la disponibilité de l'ami Patou pour tourner à 13h15 comme on faisait jusqu'à présent. Bon écoute, on va tirer tout droit là, on va essayer de faire un rendez-vous comme ça. On va désactiver. Est-ce qu'on arrive à reculer sans trop foutre le bordel? Oh là là, la classe! Voilà, ça sort un petit peu du cul, mais c'est pas très grave, c'est pas souci, c'est pas problématique. Qu'est-ce qu'on fait? On va retourner par là? Ouais, on va retourner par là, on va réactiver tout ça, on va voir ce que ça peut donner. On fait des tas de foin, ouais, des tas de foin et pas des tas d'herbes. Et ça a l'air d'être pas mal, on va tranquillement avoir le temps de terminer cette activité-là. Et puis bah, pour la prochaine, bah, vous savez ce qu'on fait. Voilà, on chargera l'herbe, on l'auto-chargera en tout cas, sur le champ que j'avais... couper avec la moissonneuse là, avec l'espèce de petit grass chopper là, comme ça c'est déjà à moitié endéné. On va faire un truc assez propre ici, ça sera plutôt pas mal. Regardez ça, merci monsieur dame, laissez passer. On va désactiver le tout, on va faire des manœuvres savantes. Oh, ça part complètement en sucette. Est-ce qu'on fait le tour ici? Oui, c'est magnifique, c'est parfait. Là on est bien, là on est bien. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se rattrape? Et eh ben écoutez, on va se rattraper ici, ça me paraît pas mal. On va activer, hop là, et c'est parti. Ça fera un truc tout chelou, mais bon, on est obligé de faire un petit peu comme on peut. Et puis j'ai pas la science infuse au niveau de l'endénage, on est bien d'accord. Surtout qu'en plus il est déporté, donc c'est pas forcément très évident. Avec un droit attaché de l'attracteur, ça serait peut-être un petit peu plus pratique, mais bon, j'ai envie de dire, on s'en fout, c'est pas bien grave. Voilà, on est bon, on va faire demi-tour, on va se faire le retour là-bas. Sacrée forêt de sapins quand même, hein. c'est assez impressionnant. Voilà, là on est bien en active, on est reparti, on va essayer de récupérer celui-ci, ça fait un rendez-vous plutôt pas mal. Eh, je sais pas ce que vous en dites, mais hashtag boulot pas trop de merde, hein. Allez, dans les commentaires, si vous venez jusque là et vous regardez la vidéo jusqu'à cet instant. Hashtag boulot pas trop de merde, voilà, on va vivre avec notre temps, on est au 21e siècle, on va parler comme les Jones. On va parler comme les Jones, allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner comme ça pour cette fois-ci, on va essayer de... rattraper en bas, là c'est bon, ben, j'ai envie de dire qu'on va faire autrement, même on va tirer tout droit et on va repartir de ici. Voilà. On va faire un truc par là, non on va pas faire un truc par là, on va retourner là-bas vraiment. Vous me direz, je pourrais le mettre tout droit, hein, quand je dis qu'il est déporté, etc. Mais je pourrais le mettre tout droit, je vous l'ai expliqué, il a différentes positions de travail. Mais bon, voilà, on va tranquillement travailler en déporté, parce que j'aime bien ça. Ça met un peu de challenge dans l'activité là, si c'est pas magnifique ça, et regardez si c'est pas beau ça, et de un Thibaut, voilà, pour ceux qui suivent la map Savoie, la série avec le patou, vous connaissez forcément cette chanson, vous connaissez certainement notre version, c'est ça le principe, parce que la chanson peut-être que tout le monde la connaît, mais la version des Conos, vous n'êtes pas nombreux en tout cas à la connaître. En tout cas, il faut suivre la série de l'ami Savoyard et de l'ami Patou. On va faire la même chose. On va faire la même chose et ça sera plutôt pas mal. Mission accomplie. Je m'occuperai du petit champ que j'avais commencé à faire à la fauche la dernière fois sur la précédente vidéo. Je m'en occuperai, quoi. Je le ferai en vidéo tout simplement. Allez, on va essayer de réactiver tout ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce qu'on arrive à le réduire celui-ci ou pas? Ouais, un petit peu. Bon, ça fait un truc de merde là sur le côté. On va essayer de reprendre ça au retour, pas très grave. Alors j'endène, je contre-endène, je ré-endène. Bon, tout va bien, c'est pas très grave, vous savez comment ça se passe ici. Hop, on tourne. Oups, je vois plus rien. Qu'est-ce que c'est? Sortez-moi des sapins. Voilà, on va reprendre celui-ci. Enfin, celui là-bas. Hein, vous m'avez compris. Petit panorama plutôt sympathique. Et on sera bon pour aujourd'hui. Voilà, la petite vidéo qui fait plaisir. Enfin, en tout cas, j'espère qu'elle vous fait plaisir, c'est ça le principe. Hop, on va activer, on est reparti, c'est go. Ça, on va en faire un seulement ici. Et normalement, on devrait pouvoir rattraper le petit triangle de tissu qu'on a par là. Et puis après, on va pas se casser le boule non plus. Voilà, on va faire comme ça, on va faire comme ça. C'est plutôt pas mal. On va mettre un petit coup de marche arrière. On va désactiver, on va tourner. Qu'est-ce que ça dit là-bas? J'aime bien le boulot propre. Là, c'est bien, c'est pas vilain. Et ben écoutez, on va essayer de reprendre celui-ci et ça sera plutôt bon. Allez, on termine là-dessus. Donc j'espère que ça vous aura plu les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit pouce bleu, le commentaire, hashtag boulot pas trop de merde, si vous le souhaitez, si vous voulez rentrer
voulez rentrer dans le jeu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la page Facebook du Savoyard pour plein d'informations. Et je vous dis, allez voir faire un tour, vous verrez un code au belge, il est excellent. Merci encore à toi Ténu une fois. Et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite des aventures. Ciao, bye bye.